Bonjour les enfants, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors pendant ces vacances d'été, il vaut mieux de faire un peu de la lecture. Aussi connaître quelques romans, quelques histoires et contes pour les enfants bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est un roman. Et c'est La cabane magique. Au secours des kangourous. Voici ce qu'on appelle un bébé kangourou mais qui est abandonné. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Léa caresse la petite bête. Voici la petite bête. C'est un bébé kangourou. Léa caresse la petite bête. Elle va revenir, ta maman, tu sais. Elle va revenir, ta maman, tu sais. Elle se tourne vers son frère. Touche-le, Tom. Sens comme il est doux, sens comme il est doux. Tom avance la main. Léa a raison. C'est la plus douce fourrure qu'il ait jamais caressée. Le bébé kangourou fixe les enfants de ses grands yeux bruns sans cesser de trembler. Soudain, il se redresse, s'approche du sac de Tom en trois bonds et saute dedans, la tête la première. Les enfants éclatent de rire. J'ai une idée, dit Lia. Si tu portes ton sac par devant, il se croira dans la poche de sa mère. Tom pose le livre et sa sœur l'aide à installer le sac sur son ventre. Le bébé kangourou est plus lourd qu'il ne le pensait. Et voilà, tu as tout d'une dame kangourou. Ce n'est pas drôle, grogne Tom. Mais il tapote gentiment la tête du bébé. Ne t'en fais pas, Joe. Reste là, bien tranquille, jusque ta maman revienne. Pourvu qu'elle ne tarde pas, marmonne Léa. Voilà, c'est un roman intitulé tout simplement Un bébé abandonné par sa maman kangourou. Alors j'espère que vous avez bien compris ce roman. Alors vous pouvez lire plusieurs fois et comprendre aussi. D'accord? Alors à la prochaine, je vais vous raconter un autre roman, bien sûr. Au revoir.